Mais t'as trouvé ça où? Au secours! Ah non! Valentin! Ah non, c'est ils ont... un lutin! T'as vu, ils l'ont attaqué! Mais comment c'est possible? Ah, c'est des lutins! Ils l'ont attaché! Je sais pas où il est maintenant, il est parti! Mais il est là! Il est là! Ah, oh, mais qui sait encore, il est 3h du matin! Il y a quelqu'un qui frappe à la porte! J'espère que c'est pas encore un voleur! C'est pour ça que j'ai pris la caméra, je vais tout vous montrer! Oh, c'est qui encore? Mais qu'est-ce que tu fais? Il fait froid dehors, allez! Non mais t'es sérieux? Oui. Pourquoi tu viens chez nous à 3h du matin? Mais... Attends, on va allumer la lumière. Enfin non, il est 2h du mais matin. Pourquoi je viens? Parce que je suis venu tout à l'heure à 16h, t'as pas décroché. Quoi, allez. T'es venu tout à l'heure? Mais oui, allez, j'ai... Mais tout à l'heure, moi je travaille. Attends, mais pourquoi tu viens d'abord? Attends, viens ici. Pourquoi tu viens? Mais parce que j'ai un truc à te rapporter, ça fait 3h que j'ai dans ma main. Un cadeau? Mais oui, je t'ai ramené un truc exprès, tu vas kiffer. Bon, allez, viens, on va regarder ça en haut. Pff, bon, les amis, franchement, c'est une catastrophe cette maison. Il se passe toujours des trucs. Non, mais est-ce que vous aussi vous avez des amis qui vous rapportent des cadeaux à 2h du matin ou 3h du matin, comme ça? Déjà, des amis qui sonnent chez vous à cette heure-là? Fais pas trop de bruit parce que sinon tu vas réveiller Lily Rose. Allez. Lily Rose, t'inquiète pas, c'est Jérémy qui vient rapporter un cadeau à 2h du matin. Je sais que c'est bizarre, mais d'ailleurs, Lily Rose? Elle est où? Bah, elle est pas dans sa chambre. Elle est pas dans son lit. Ouais, et demain il y a école, bah super. Bon, alors qu'est-ce que tu m'as apporté encore? Je t'ai ramené un truc que tu as kiffé, que tu connais de fou. Alors qu'est-ce que c'est encore? Vas-y, montre-moi. Attends, parce que je sais plus comment il l'a envie de faire. Bah, il y a un code, hein, ça se voit qu'il y a un code sur cette mallette. Ah oui, mais je sais plus le code. Bah, essaye 000000, voilà. Hein. Oh là là, c'est quoi cette catastrophe? Bon, allez, ouvre-moi ça là, et qu'on en finisse. Et je te préviens, après tu repars direct. Hein. Allez. Qu'est-ce que c'est? Cadeau! C'est quoi ça? T'es pas content? Bah, mais c'est quoi ça? Mais c'est des lutins? Des lutins farceurs? T'es pas content? Mais t'as trouvé ça où? Bah, je sais pas, on m'a envoyé ça. Non, mais c'est. Comment ça, on t'a envoyé ça? T'as trouvé ça où? Non, mais t'es fou ou quoi de ramener ça chez nous? Mais pourquoi t'as pas Non, mais t'es totalement dingo, c'est pas possible, Jérémy, pourquoi tu fais ça? Non, mais en plus, attends, tu me déranges en pleine nuit pour. Oh non, mais je rêve! Tu me déranges en pleine nuit pour me ramener ça? T'as pas vu nos vidéos l'année dernière sur ça? Bah, non, je pensais que ça te ferait plaisir. Non mais c'est une blague, en plus c'est bientôt Noël, c'est dans 3 mois. Non mais attends, vas-y, je vais te montrer un truc, tu vas, vas-y, ferme la boîte immédiatement. Il y a quoi de mal? Ah non, mais tu vas vite comprendre ce qu'il y a de mal. Ah bon les amis, pour ceux qui n'étaient pas abonnés à notre chaîne l'année dernière, vous comprenez pas, regarde, je suis sur notre chaîne là. Les lutins farceurs gâchent notre vie. Regarde ce qu'ils ont fait à Lily Rose. Non mais, t'as jamais vu ces vidéos là? T'as jamais vu ça? Non mais attends, tu vas me dire. Regarde, attends, regarde, c'est pas des blagues, hein. Tu vas me dire regarde que moi. C'est ça qui a fait ça? Oui, en fait, regarde, c'était un lutin farceur, regarde comment il a piégé Peppa Pink. Et regarde, c'est lui là. Mais c'est pas le lutin là. Ce lutin là, il a mis du scotch sur la bouche de Peppa Pink. Mais c'est pas il possible. Il a enroulé Peppa Pink avec une corde. Et regarde ce qu'on a dû faire. On a, regarde, il bouge tout seul. Quand la nuit arrive, il bouge tout seul. Mais on est dans la nuit. Du coup, on avait dû mettre ça dans la machine à laver, regarde. On l'avait enfermé dans la machine à laver. On l'avait fait tourner et tout. Non mais regarde-moi ça. On n'arrivait plus à s'en débarrasser, c'était une catastrophe. Mais c'est pas des lutins qui peuvent faire ça, réfléchis. Bah si, c'est des lutins qui peuvent faire ça. Ça, c'est des lutins piégés. Regarde, on l'avait lavé comme ça. Allez, zou, 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 zou. Et même en faisant ça, on n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et on fait quoi maintenant? Bah on fait quoi maintenant? On est foutu. Tu les as ramenés chez nous. Je peux Attends. On parie. Vas-y, laisse la boîte ouverte. Okay. Regarde. Hop, on va laisser la boîte grande ouverte, les amis. On va la laisser comme ça. Regardez, il y en a combien? Un, deux, trois. Il y en a deux grands et deux petits. Deux petits comme ça. Regarde-moi ça. On va les laisser ici. Ok. Okay, on va aller demander à Peppa Pink et à Valentin ce qu'ils en pensent. Tu vas voir. Okay. On va voir ce qu'ils vont penser des lutins farceurs. Allez, viens. Moi, je suis sûr que le temps qu'on revienne, ils auront déjà fait une bêtise. Et plus on va s'approcher de Noël, plus ils vont faire de bêtises. Au mois de décembre, ils vont retourner toute la maison. Non. Ah bah ça, je te jure. Mais on va pas les réveiller à sorcier. Peppa Pink. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Regarde, viens voir. Qu'est-ce que tu fais là? Ce qu'il nous a apporté. Bah, Jérémy, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, mais j'ai apporté un cadeau, mais je sais pas si je lui plaît pas. Non, il a apporté un cadeau déjà à 2h du matin. 2h du matin, il apporte des cadeaux. Chut, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. T'as entendu le bruit? Oui. Ah, les amis, je pense que là, vous avez pas entendu. Non, reste ici. On va aller demander à Valentin aussi. Là, les amis, je pense que vous avez pas entendu. Nos chats, ils ont eu ultra peur. Je pense que les lutins ont commencé. Tu sais ce qu'il nous a apporté? Tu parles de lutins? Des lutins farceurs. Non. Il est allé acheter des lutins farceurs. Je les ai pas achetés, on t'en a donné. Et tu ramènes ça chez nous? Je pense qu'il a ramené 4 lutins l'année dernière, il y en avait. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Attends, je vais réveiller Valentin. Valentin, il dort toujours ici maintenant, il dort dans...
dans la petite pièce gaming. Valentin, Valentin, réveille-toi. Réveille-toi. Viens voir. Il y a quoi? Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Mais viens voir, il y a des lutins farceurs. Quoi, les lutins farceurs? Ah non, mais je viens pas, je reste ici, c'est bon. Tu restes ici? Bah ouais, je reste ici, je vais plus. J'ai pas envie de les voir, ces lutins. Ouais, bah reste ici, tu verras quand ils viendront t'embêter. Ouais, bah au revoir. Allez. Bon, ouais, je comprends pourquoi ils veulent pas venir après ce qu'ils ont fait l'année dernière. Moi, je voulais. C'est des ouais, non, mais viens, c'est une catastrophe. Non, c'est pas des poupées. On dirait que c'est des lutins inoffensifs, on dirait que c'est comme attends, des poupées. Ok, bah viens, tu vas voir, ils sont encore 4. Ouais, 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 bah oui, on va aller les voir, on va voir quelles bêtises ils ont fait pour commencer l'année. Bah oui, bah ça, c'est sûr. Déjà, dans la chambre de Lily Rose, y'a rien, ça n'a pas bougé. Y'en a un. La vidéo, elle est toujours en cours là. Oui. Y'en a un, y'en a deux, y'en. Hein? Voilà, il en manque déjà un dans la boîte. Mais quoi? Mais tu les, il en tu a les as laissés sans souci. Regarde, regarde, dans la vidéo, ils bougent tout seuls. Je te mens pas, dans la vidéo, ils arrivent à bouger tout seuls. Et là, ils avaient fait plein de bêtises en classe. Mais c'est toi qui m'as dit de laisser ouvert. Quoi? Tu m'as dit de laisser ouvert? Oui, je t'ai laissé. Mais demandé, c'est ta faute alors? Je t'ai demandé de laisser la boîte ouverte pour te montrer. Pour te montrer. Pour te montrer qu'il se passe des choses. Hein, tu vas voir. Là, il y en a déjà un qui s'est échappé, à mon avis. C'est lui qui a fait peur au chat là quand on est allé voir Peppa Pink. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, on l'a laissé tout seul. Bah oui, bah Valentin il est tout seul, il est en train de dormir. Pour l'instant, attends, pour l'instant, là on voit pas de bêtises pour l'instant. Bon Valentin, il faut que tu viennes là, il faut que tu viennes voir ce qui se passe. Parce que ça tombe, les lutins vont s'attaquer à toi. Valentin? Au secours! Ah non! Valentin! Ah non, ils ont... T'as vu, ils l'ont attaqué! Mais comment c'est possible? Mais c'est des lutins! Ils attaché! Mais regarde, il est là! Aidez-moi! Qu'est-ce que t'as fait encore? Va le mettre dans la boîte! Va le mettre dans la boîte! Dis, bah, reste ici, toi! Allez! Ouais, décroche-le, décroche-le! Ouais, ouais. Ah, c'est bon! C'est une catastrophe! Oh non, c'est bon, je dors plus jamais ici! Les lutins, ils vont tout le temps m'embêter! Je m'en vais! Non, reste avec nous! Non, je m'en vais! Reste avec nous! T'as vu Jérémy? Là, tu as vu l'ampleur de ta bêtise en direct. Hein. Stéban, ramener 4 lutins. Il a sauté le même un. Hein. En plus, il y en a 2 grands dans la boîte. Il est parti en courant. Je sais pas où il est maintenant, il est parti. Mais il est là. Il est là. Oh, reste ici. Non, non, reste ici. Attends, je le tire par le pied. Vite, prends-le. Non. Va en bas, va le mettre dans le garage. Ouais, et fais attention à toi, fais attention à toi. Bon, nous, on va s'occuper des autres. Hop, bon. Ils sont bien dans la boîte. J'ai repris avec moi si tu veux. Oui, ils sont dedans. Ils sont dans la boîte, attends, on va vérifier. C'est bon, il y a les 3, vas-y ferme. Il y en a combien? On remet le code. Hop, on remet le code. Et oui, tu vas les reprendre avec toi. Okay. Ah, tu les reprends et tu pars. Mais vous êtes pas bien, mais moi j'en fais quoi? Ah bah t'en fais quoi? Regarde, on avait même fait plusieurs vidéos. Regardez, l'année dernière on avait fait plusieurs vidéos. Ils ont fait tellement de bêtises, ils sont revenus pendant plein. Ils sont revenus plusieurs fois. Regarde comme ils bougent tout seuls. Là ils bougent tout seuls. Regarde, on a la preuve, on avait filmé l'année dernière. Dis-lui, mais reprends-le. Non, j'en veux pas, c'est tiens. C'est pas moi. Jérémy, c'est toi qui l'a ramené chez nous. C'est toi qui dois t'en débarrasser. Mais qu'est-ce que... Mais bon, vous allez, êtes pas... Viens, viens. On va remettre l'autre dans la boîte, là aussi, le quatrième. Il est où? Et tu emmènes ça chez toi, tu mets ça à la déchetterie. Peppa Pink. Bah Peppa Pink, mais il est au... Mais je veux pas la déchetterie, ils vont me demander. Peppa Pink, il est au sous-sol. Mais je veux pas... Allez. On va mettre tout ça à la déchetterie. Je peux pas dire que je vais à la déchetterie. Si. Peppa Pink, va pas trop vite, hein. Oh là là, allez, on met tout ça dans la valise. Qu'est-ce qui se passe? Oh ta tête. C'est une catastrophe. T'as vu sa tête? Ah, me touche pas! Mais c'est un lutin qui a dû lui faire ça. Le petit lutin qu'on a... Il est où? T'as vu Valentin? C'est ma faute. Il faut le suivre. Oui. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon allez, on va aller l'aider. Ah, attends, il y en a un qui m'attaque. Attends, attrape-le. Mais comment il est sorti de la boîte lui? Oh, c'est une blague. Oh, ça y est, on commence à être envahi. Vite, viens. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, amène-nous jusqu'au truc. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Oh, ouais, il est là. Vite, ouvre la boîte. On le met dans la boîte. Ah, vite! Vite! Allez, appuie sur le bouton! Oui, c'est ce que je sais! Allez, c'est bon! Vas-y, hop! Et le grand qui est. Il est où le grand? Je sais pas, il s'est barré! L'autre! Ah, il s'est barré, il est parti, hein! Ah, oh, il est là, c'est bon! Vite! Tiens, dans la boîte! Taisez-vous! Attends, attention, son chapeau! Hop. Voilà! Allez, moi je m'en vais! Ouais, c'est bon! Je sais pas ce que. Change le code! Ah, comme ça, voilà, c'est bon. Comme ça, la boîte ne s'ouvre plus. Non, c'est bon. Viens, on met tout dans la voiture. On va partir avec toi. On va s'occuper de toi. On va partir avec toi le plus longtemps. On va partir le plus loin possible pour s'en débarrasser. Ah!
Mais... c'est une catastrophe. Oui, bah oui, ça bouge, la boîte elle va bouger, ils vont essayer de s'enfuir. Oh là 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 là. Allez, mets ça dans le... mets ça dans le coffre, mets ça dans le coffre. Mais j'attends. Allez. Vas-y, 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 vas-y. C'est bon. Hop. C'est bon, elle est où la boîte? Oui, je l'ai mis derrière deux sur la tablette. Ok, c'est bon. Je vais voir. Allez. Je reste à côté d'eux. Ouais, 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 reste à côté d'eux, faut pas qu'ils s'enfuient. Ah. Pompez, bon, les amis, là, on va se diriger dans la forêt la plus loin de chez nous. Ah ouais, bah Peppa Pig, je suis désolé. Comment le faire? J'espère que toi tu vas redevenir normal. Ah, j'espère aussi, parce que regarde, il faut garder ça. Bon, allez, tu peux nous conduire dans la forêt. Conduis-nous dans la forêt la plus loin de notre maison. Ah là, s'il faut, on va conduire toute la nuit. Et rien que pour les enterrer. Allez, là-bas. Roule, on comprend pas ce que tu bon, dis, Peppa Pig. Les amis, on va pas tout vous filmer. Les lutins, les lutins farceurs sont de retour. Je pense qu'ils vont nous. Oula, oula. Ils vont nous embêter jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. À la prochaine. Ciao.